messieurs, vous avez eu raison de venir ici. Vous êtes pratiquement 5000 à faire ce choix chaque année de venir dans les Pyrénées-Orientales. Mener votre vie. Même les boussoles indiquent le sud maintenant. C'est fini le nord. C'est ici que toutes les choses vont se passer. Pourtant, la zone est sinistrée. Avec un taux de chômage particulièrement élevé, un nombre de bénéficiaires du RSA supérieur à la moyenne nationale, les Pyrénées-Orientales est le second département le plus pauvre de France. Cependant, le pays nourrit toujours le fantasme d'une vie meilleure. Je suis passé devant la gare après le travail où j'habitais encore à Caen. J'en avais marre de faire la même chose tous les jours. Et du coup, j'ai pris le train et je suis parti sans rien dire à personne. J'ai fui la vie que je ne voulais plus avoir. Du coup, je suis parti, comme ça, sur un coup de tête. J'ai tapé Google Maps, j'ai regardé la ville à côté de l'Espagne, tout ça. J'ai dit Perpignan, j'ai dit j'y vais. Je regardais des photos, tout ça. Ça avait l'air bien. Quand on est jeune, l'inconnu, si on l'affronte pas, on fait rien, on n'avance pas. Le voyage, c'est l'occasion de tourner une page, de repartir à zéro et de tout refaire bien. Je suis parti 3-4 mois après ma sortie de prison pour reprendre tout à zéro, pour redevenir quelqu'un de bien, trouver du taf. Quand je suis parti d'Épinal, j'étais stressé par le voyage. Comment ça va être? Où est-ce que je vais aller? Je savais pas du tout où j'allais, quoi. J'avais peut-être quoi, 300 euros, 400 euros. Je savais que j'allais vivre plein de trucs, en fait. Je savais que j'allais avoir des bons côtés comme des mauvais, donc j'étais pressé de tout ça. Chaque année, des centaines de jeunes cabossés par la vie viennent effacer de mauvais souvenirs ou changer leur destin autour de Perpignan. Une terre lointaine entre mer et montagne. Dernier arrêt avant l'Espagne. L'histoire de Loni est celle de ces jeunes. Je l'ai suivi pendant un an dans ses errances, avec ses projets, ses succès et ses échecs. La parole fait le bonhomme et des promesses, j'en ai des tonnes. Le shit l'arc ne fait pas de nous des hommes. Il n'y a plus de respect, les petits sont passés de l'école. Oh voilà, l'arraché de la colle ou du shit qu'ils ont sûrement racheté. Histoire de bise à voir mon point comme un cachet. Histoire de 10 détails pour... Comme tout le monde, dès son arrivée à Perpignan, il engloutit ses dernières économies à l'hôtel avant de se retrouver inévitablement dans la rue. Tu veux du fromage? Oui. Sébastien, est-ce que tu veux la Macédoine? Exactement. Allez. Est-ce que tu veux du fromage? Exactement, ce soir, oui. Fais-toi du plateau, s'il vous plaît. Il n'y a plus de plateau. C'est à l'hôtel social que je retrouve Loni. Un centre d'hébergement qui accueille un mélange improbable d'hommes et de femmes, jeunes et âgés, à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Ici, on se noie ou on s'accroche, le temps de trouver un logement. Moi, je veux du sans porc, s'il vous plaît, madame. Je voudrais... J'ai dit s'il te plaît. Je veux, t'as je dit. S'il te plaît. Pourrais-je avoir de la viande sans porc? Non, je... Ah, c'est beaucoup mieux. Juste donnez-moi votre assiette. Ah, mais c'est quoi, ça? Ça, c'est caché. Steak caché. Tenez. Eh ben, je peux en prendre un, de ça? Mais partez, bien sûr. T'en veux, ça? Non. Non, même pas. C'est dégueulasse. La vie de ma mère, c'est un truc de bâtard. Regarde si vous voulez. En veux ? Très vite, Loni décide de renoncer au semblant de confort de l'hôtel social. Il a du mal à accepter les contraintes d'un règlement strict qui lui rappelle la prison. Tout bien réfléchi, il préfère sa liberté dans la rue. Ma mère, elle est partie quand j'étais petit, mon père, elle est parti quand j'avais 13 ans. La galère, le vol, les foyers, tout ça. La rue, enfin surtout la rue. Cambriolage. C'était un taf, c'était mon travail. C'était tous les jours, c'était aller au charbon tous les jours. C'était des maisons, des bureaux de tabac, des, je sais pas. Tu fais 1 à 3 cambriolages par jour, et ça peut te rapporter jusqu'à 1500 par semaine à peu près.
J'ai passé des bons moments quand même. Bah, je cours dans les champs avec 3-4 télés chacun, tout ça. ça, c'est des bons souvenirs, ça. Quand le soir, tu rentres chez toi et que t'as ta liasse de billes dans la chaussette, t'es content, ça. T'as fait ta journée. Tu sais que le soir, tu peux sortir. Le lendemain, tu peux aller t'acheter des fringues, des trucs comme ça. Je sais pas, bouger, partir en vacances. J'ai fait ça presque 3 ans, 4 ans. Donc tu vis bien. Jusqu'au jour où tu te fais péter, tout ça. Bah, tout ce que t'as mis de côté, tu le dépenses en prison, et ainsi de suite. Tu ressors, tu replonges, tu ressors, tu replonges. Et c'est après que tu comprends bah, que ça sert à rien de faire ça. Autant en rester dehors, travailler, avoir de l'argent propre et vivre correctement, quoi. J'ai failli rentrer dans un club de foot quand j'étais plus jeune, qui avait un haut niveau, Guingamp là. Enfin, je devais rentrer en sport-études là-bas. Et 2 semaines avant, bah, j'ai eu mon accident de scooter. Et du coup, les deux jambes plâtrées, tout ça. Je pouvais plus jouer à cause de la rééducation, tout ça. Là. Quand j'ai su que le foot c'était mort, bah, je suis parti en couille. Je dis, vas-y, panique. On va faire de l'argent, c'est tout. Chaque matin, Loni échoue à la boutique Solidarité, un centre d'accueil de jour où l'on vient se laver, s'alimenter, échanger quelques mots avant de retourner battre le pavé. Ah Omar, le dark précipice pour débattre à trop bas, voir face au star. Ce matin, je me suis levé, je me suis fait un café et ouais. J'ai revomi direct. Tu as rendu ? Tu as rendu ? Là, j'ai revomi le café de ce matin, là j'ai rebu un café, là c'est en train de me remonter. Là. Tu prends la pilule ? Oui. T'es sûr, hein ? Oui, j'ai eu un oubli. Hein ? Un oubli. Ah, tu sais qu'il existe la pilule du nom ? Oui. Non, et t'as pas été règle que ce que tu vas faire très rapidement, n'attends pas. Tu vas d'abord voir le docteur Dima, puisque tu as la CMU. Qu'elle te fasse un truc pour le gynéco, tu vas le voir, et au moins que tu sois fixé déjà. Quel âge as-tu ? J'ai 19 ans. Oh, t'es jeune, ma belle. Ah oui. On va où, là ? On va à la maison. La paroisse ? Ah non, on y était hier. Pas la paroisse, elle. Elle est fermée, la paroisse, ça, c'est demain. Maison. T'es chelou, toi, tu sais. Je sais pas, t'es pas proche, t'es éloigné, T'es distant. Mais n'importe quoi, je suis bien. Je t'intéresse pas, moi. T'essayes pas de savoir, moi. Sabrina. C'est là où on fait la manche, là, regarde. La dure, on est allés tous les deux au Monoprix avec mon homme. En une demi-heure, j'ai fait 56 euros. Moi, je peux pas faire ça, wesh. Et puis, y a pas, tu peux pas, c'est comme ça, la vie. Ouais, je veux pas, wesh. Comment ça? Tu vas faire comment, toi, pour nourrir ta femme? Tu vas te faire comment, toi, quand tu vas être tout seul? Je vais travailler. Ah ouais, tu vas travailler, mais le travail ça se trouve pas comme ça, mon pauvre. Ah ouais. Ma mère, elle a 44 ans, elle trouve pas. Du foot, je joue au foot. Du foot, mais tu vas pas te faire payer comme ça. Moi, je commence mon début. Tu vas te faire payer au bout d'un an. CDI lundi prochain, bah, bébé. Ouais, peut-être, bon, c'est pas grave, mais dans ces un an-là, faudra que tu ranges ta fierté dans ton cul pour te nourrir et que tu tiennes enfant pour Mario. Mon ex Poupoune, il arrivait, Poupoune, la tête de ma mère, en Burberry, il arrive au Monoprix, il se faisait au moins 50 euros en une demi-heure. T'es là au feu rouge, et puis voilà, tu t'as un gobelet, on va te donner. Tranquille. Loni survit grâce au foot. Je l'ai compris quand il m'a raconté son histoire pour la première fois. D'ailleurs, dès son arrivée à Perpignan, il intègre l'équipe des sans-abri au poste d'ailier gauche. Il est doué, assidu, peut-être pas assez collectif, mais il reste un leader pour son équipe. Ouais ! Allez, Loni ! Allez ! Allez, c'est bon ! Allez, voilà ! Trop fort, putain de merde ! Allez, on revient en arrière ! On revient en arrière ! Loni, qu'est-ce que tu fais, là ?
c'est bien, les gars. Viens, va chercher du bois. À tout à l'heure. Bonne recherche de bois. Regarde, tu vas t'espanter, Gégé. T'as vu ma tête que j'ai, hein? Regarde comment il m'a tapé avec un rouleau à pâtisserie. Sans la gueule. Il a fait tentative de meurtre, violence conjugale et menace de mort sur moi et ma mère. Regarde. J'étais obligée de porter plainte. Bah, il a pas fait semblant. Regarde, le rouleau à tapisserie. Bam. Il m'a tapé là. Et si tu veux, j'ai perdu l'équilibre. Ouais. Et je suis tombée par terre. Il m'a donné un gros coup de pied dans l'œil. Ça m'a fait un éclat de sang. Ouais. Et dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai pris les clés qu'il y avait sur la table, j'étais pieds nus. Je me suis enfuie, tu vois, où c'est la place de l'esplanade? Devine, il y avait quoi? Qui est passé une patrouille de flics. Le bon Dieu qui me l'a mis devant. Je suis courue vers les flics et j'ai arrêté la voiture des flics. Et là, j'ai dit, aidez-moi, mon copain va me tuer. Il était derrière avec la corde, parce qu'il fait de l'escalade. Il m'avait préparé la corde avec le nœud. C'est un bâtard. T'as vu? Il a pris combien? Il a pris 2 ans ferme. Il va sortir avant mon frère. Parce que c'est un primaire. Voilà, c'est ça qu'il sort. Et moi, comme tu vois, j'étais encore amoureuse de lui. C'est pour ça que je t'ai retournée avec lui, tu vois. Tu l'avais dit. Mais oui, je sais. Tu manges comme un poire. Ça y est. Et t'as eu d'autres meufs depuis, moi? Non, mais c'est salopard, maintenant. Bon. T'as eu quel? Oh, si, une dizaine. Parce que ça va plus être possible, hein, vous disiez un truc de narvalo. Je dirais pas un film, ça va plus être possible. Non, mais allez. C'est vrai. Tu viens avec moi peut-être canard après? Et quoi peut-être canard après? Vas-y. Il faut être gros caillou bien, ou un truc. Dans les conditions de vie que vous vivez actuellement, il y en a qui sont en squat, d'autres en centre d'hébergement, d'autres qui sont en galère. Le fait de faire un match d'entraînement de 1h30 et de rentrer sous la tente ou dans un squat sans avoir rien à manger, moi, très honnêtement, je dis respect. Je vous respecte parce que vous démontrez quelque chose de très courageux et vous faites honneur, en tous les cas, à l'esprit du foot, en dehors du foot. Et à l'esprit du foot, à l'intérieur du foot. Bon, et puis peut-être que parmi vous, il y en aura qui auront la chance. Même si c'est une équipe d'amateurs, on doit prendre ça au sérieux, on doit progresser parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie de nous. On prend ça au sérieux, comme si c'est un métier. On ne baisse pas les bras, on va jusqu'au bout. Et déjà, vraiment, serait étonné vraiment de cette équipe que, mais ils sont en galère, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de logement, mais ils connaissent quand même quelque chose en tête. Votre nom? Ma filâtre. M-A. L-F-I-L-A-T-R-E. Ok. Puisque vous décidez d'être accompagné par la mission locale, Johnny, ça vous engage?
à venir régulièrement me voir, d'accord ? Vous faites quoi de vos journées ? Pas grand-chose. D'accord. Vous avez déjà travaillé ? Ouais. Ouais, bon, on va voir ça. Vous aviez parlé de foot, je crois. Où ça en est ? Vous voulez bosser dans le foot ? Vous voulez faire quoi ? C'est ce que je veux faire, normalement, depuis que je suis petit, mais... Et bon, vous voulez quoi ? Vous voulez devenir joueur professionnel ? J'aimerais bien. Ouais ? J'aimerais bien, mais après, c'est... C'est quoi ? C'est dur. Enfin, c'est pas dur, mais... C'est pas sûr, quoi. Faut pas que je mette des idées en tête pour rien. Mais vous voulez rentrer dans une équipe nationale ou... N'importe. Une équipe avec un salaire, c'est tout. Vous voulez en vivre, ouais. C'est vraiment ça, quoi. Ça, ouais. C'est votre passion. Ouais, ouais. D'accord. Et si ça marche pas ? Bah, là, je me retournerai sur éducateur sportif ou... Mais que dans le domaine du sport, en tout cas. L'urgence aussi, c'est le logement ? Ouais. Hein ? Si on peut éviter le sport, on évite. Ouais, si on peut éviter, mais après, c'est pas la mort non plus. Oui, ça vous fait pas peur, quoi. Ouais, vous êtes courageux, je trouve. C'est quand même pas rien, le squat, quoi. C'est bien. Je vous jure, c'est vrai. Enfin, le squat, bien. C'est bien. C'est. Je sais pas, c'est quelque chose à essayer. Je sais pas. C'est une bonne aventure, je m'en souviendrai souvent. Tout le temps, en tout cas. Vous avez rencontré de belles personnes, ouais. C'est ça ? C'est ouais. Les rencontres que vous avez faites, ouais. Qui font que. En fait, vous étiez pas seul, quoi. Bah non. Ouais, ouais. Puis on vit des trucs. C'est magique, c'est. Enfin, c'est bizarre, c'est chiant, t'as froid, mais. Quand tu y repenses, après, c'est bien. La rue, c'est avec elle que j'ai grandi, besoin de personne, le daron est parti, je m'en sortirai. Sans lui, 14 ans, les coups de se finissent, mais ça a un alcoolisé, m'a laissé sur la lèvre, cicatrice, grandir sans l'absence d'une mère. C'est triste, mon si fait, j'ai perdu tous mes repères. C'est dingue comme cette vie m'en veut, il paraît que la rue rend vieux, et pourtant, je fais des envieux, à croire que leur vie n'est pas mieux. Malgré son effort, l'oiseau n'a pas pu prendre son essor. Encore à la casse des parts, le gong avait pourtant sonné fort. On me dit que l'espoir fait vivre, mais on m'a trop menti. Mon portefeuille est vide et ça me traumatise. Gros, notre quotidien n'a rien d'une parodie. Faut pas le renier, le passé, mais faut pas non plus marcher avec. Si t'as pas les réponses, tu les as cherchées, t'as cherché ton maximum, t'as pas trouvé, il faut avancer avec, c'est tout. Et maintenant t'en es là, il faut que tu construises ton autre histoire. Johnny a le même parcours que Lonnie. Ils se sont rencontrés à l'hôtel social, sauf que lui y est resté. Pas la force de vivre dans la rue. S'il veut travailler, il n'a pas besoin d'aller bien loin. Le centre est un vivier inépuisable pour les prédateurs de la misère. Des professionnels ou des particuliers qui viennent recruter une main-d'œuvre corvéable à merci pour exécuter des travaux à la tâche, payés au mieux 5 euros de l'heure. Le travail, c'est le travail. Quoi. Je suis sur une bonne lancée, du coup, je continue. J'ai pas envie d'arrêter. Ça me plaît. Je suis fatigué. C'est de la bonne fatigue. Et même si je suis crevé, que j'en peux plus, je suis content. Je fais quelque chose et je gagne ma vie. Ça, faut pas taper là. C'est là. Faut le faire monter là. Là, il monte. Travail d'arabe, ça. C'est une période où je vais bien trimer. Mais avec ça, je vais pouvoir m'en sortir. Je vais pouvoir partir d'ici, je vais pouvoir avoir un appartement, je vais pouvoir payer le permis, avoir une voiture, tout ça. Non, t'es décalé, là, c'est pas... Ne cherche pas, raligne-toi, tu le vois que c'est parce que ça t'emmerde, que tu peux pas aller rentrer. Donc tu me redécales celui-là, et on redescend, et on recommence. Ton pied descend de là. Il y a des trous partout. Je mets pas du plastique pour l'arracher, moi, merde. Pas du boulot, ça. C'est pas du boulot. Regarde, regarde, tous les... C'est un trou. Regarde. C'est sérieux ? Ah, moi ça. Regarde-moi ça. Putain, allez, ton pied de là ! Je te l'ai enlevé le marteau.
Pour pas que tu t'en serves. Non. Je vais pas m'en servir, je vais arriver jusqu'en bas, ça va être décalé, va falloir tout démonter. Ça sert à rien autant que je m'en serve tout de suite et que je le fasse. Non, tu es en train de m'arracher la bâche. Putain. T'es obsédé par le marteau. C'est pas le marteau, c'est ta main. Putain, comment te le faire comprendre? C'est ta main. Okay. Regarde, j'ai besoin du marteau. C'est parce que moi, je mets pas les pieds dessus, mon petit père. Avec ces efforts que je fais là, ça va payer, mais ça payera pas sur le jour même. Ça payera d'ici 3, 4 mois, 1 an, mais ça va payer. Maintenant, il faut les mettre en quelconque, pas droit, comme ça. T'en mets un, et après tu mets l'autre, comme ça il descend pas. Parce que quand tu le fais rentrer là, tu joues pour qu'il rentre, et il se décale. Putain. Putain de merde. Voilà. Comme ça, on travaille. C'est une heure de reçu, quand même. Tu l'as payé, Steve? Non. Ah, ouais, si, il a payé, il a donné 5 balles de plus. Hein? Ah, je te paye pas. Tu lui fais, mais je reviens à toi, je te boule ta maison. Je te dis, tu sais pas, là, ce que tu fais. Tu sais qu'on t'en bat les pieds, mon cousin. Si vous êtes intéressé, dans le cadre d'une POE, c'est une formation que met en place pour l'emploi. Ouais. Vous passez la première partie du BAFA et vous passez la formation surveillant espace aquatique. Pour l'emploi, vous verse une rémunération de 400 et quelques euros. Vous êtes hébergé en camping. C'est pas mal, ça. C'est bien. Parce que vous validez... ouais, c'est super. Bah ouais. C'est pas mal, ça. J'envoie vos coordonnées. Ouais. Hein. Super. Ah, je suis contente. C'est bien. C'est une formation de 3 mois. 3 mois. Je passe mes diplômes, tout ça, et après je taffe. Tu es rémunéré? Ouais. Je suis nourri, logé, blanchi là-bas. Mais je suis bien payé. Après, moi, je suivrai d'autres formations, ainsi de suite. Et après, bah, j'aurai tous mes diplômes et je ferai ce que je veux. Après quelques jours de formation, Loni décroche, puis abandonne. Possibilité de brèche dans la cabine centrale. Transportez-nous. Négatif, monsieur. Ce vaisseau va exploser d'un moment à l'autre. Alors atterrissons. Mettez ici Espel 299 en grave détresse. Avons subi de lourds dommages dans une tempête d'astéroïdes et devons immédiatement nous poser. Fais exactement ce que je te dis. Et nous survivrons. Délivré de sa formation, Loni se consacre au foot, la seule vraie boussole de sa vie. Et pour l'heure, son équipe participe à la Coupe de France des sports solidaires. Première étape avant la sélection pour le Mondial des sans-abri, qui se déroulera cette année au Chili. Sur le terrain numéro 1, on aura Midi Partage contre Perpignan. Numéro 2 se prépare Midi Partage contre Lyon. Oh putain! Eh, devant le but, on marque, hein, on loupe pas, les gars! Boum! Oh putain! Allez, allez! On le marque! Putain! Putain, ils sont cons, hein! C'est pas vrai, ça, hein! Oh les gars, faut marquer des buts, hein! Voilà! C'est bien! Marquez, vos joueurs! Voilà! Allez, boum! Ouais! C'est bien! Voilà, ça c'est bien! Voilà! Faites des passes, les gars! Faites des passes! Voilà, ils s'amusent là! Ah, ils s'amusent là! Allez! Oh putain, pénalty! Il ne faut pas dribbler!
Il faut être offensif et défensif en même temps. Il ne faut pas dire « Non, moi je suis en défense, toi tu es en attaque. » Non, on est tous en défense et tous en attaque. Vous avez fait du bon jeu là, vraiment. Vous avez un caractère de connard, mais vous êtes de très bons joueurs. Voilà. Mais non. Comment? Comment? Ouais, du poulet, ça a l'air bon ça aussi, ouais. Ah ouais, faut prendre des forces, hein. La crise en Mike, mec. Ça claque, hein. Ça, c'est de la rue, ça, mon pote. Ça? Ouais. Ça claque, ouais. T'as vu ou pas? Tu vas te remplir la panse, là, ma gueule, hein. Faut prendre de la semoule. Fallait mettre la semoule avant. Il y a ta race qui travaille. Ah, tu fais le mec, tu mélanges pas, hein. Voilà, faut manger, hein. Hein, faut manger, ma gueule, bah ouais. Vas-y. Là, je suis en train de manger, mon gars. Là où je mange, c'est illimité. Tu manges ce que tu veux. Là, j'ai dans mon assiette, je suis en train de manger un couscous. À côté de moi, j'ai une assiette avec de la compote avec des gâteaux arabes. Dans une coupelle, j'ai de la mousse à la framboise avec son coulis de fruits rouges. Et à côté de ça, j'ai pareil une coupelle de Mont Blanc avec un coulis de fruits rouges et du sucre. Et peut-être après, je vais aller chercher du flan ou un truc comme ça, je sais pas, je vais voir. Je te jure que la vérité, tu sais même pas. Je suis au paradis ici pour l'instant. Vous mangez bien, bande de gays ? Je suis calé, moi, la vérité. Je suis calé. Allez, bon match, régalez-vous, prenez plaisir. Bon match. Bon match. La balle elle circule très bien. Il faut en défend, en attaque et du direct, du direct. Ah, c'est pas vrai ça, oh. Ok. Deuxième, le second, c'est Perpignan. À son retour à Perpignan, une mauvaise surprise l'attend. Le squat a été perquisitionné et son colocataire arrêté. Lonnie décide de se trouver un autre abri. Pour faire le point. Ouais. Parce que j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai envie de travailler, enfin, je veux travailler. Vous voulez travailler, ouais. D'accord. Vous voulez travailler. Okay. Quitte à faire la ponche, tout ça, je veux travailler. La ponche, d'accord, ok. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir travailler aujourd'hui? Bah, rien. Qu'est-ce que vous attendez de moi, concrètement? Bah... Qu'est-ce que vous attendez de la mission? Quand même de trouver du travail. Pour avoir le logement. Ouais. Pour pouvoir travailler, Lonnie, il faut... il faut renvoyer, surtout dans la restauration. Vos cheveux, là, c'est super joli, hein, c'est sympa. Les sourcils, c'est... Voilà. Mais ça... Il y a quoi? Il y a... Si vous voulez trouver du boulot, là, pour aller démarcher l'entreprise, il va falloir laisser repousser le sourcil. Ouais, le sourcil au pire, ouais. Est-ce que je peux vous faire confiance? Bah ouais. Parce que là, au vu de ce que vous avez fait de la formation, excusez-moi, mais vous avez fait que de la merde, quand même. Bah ouais. Les absences à répétition, pas aller en stage, hein, pas ceci, pas cela,
Sincèrement, aujourd'hui, moi j'y vais à tâtons avec vous. Hein. Tu arrêtes de nous répondre sur ce ton-là. Je t'ai dit, rechercher une recette sur Internet, ça ne veut pas dire qu'on va faire, qu'on va appliquer la recette d'Internet. Et tu ne me réponds pas comme ça. Ça fait 3-4 fois ce matin, ça me gonfle. D'accord? Tu dis oui, chef, ou tu dis oui, papa, mais tu ne me réponds plus comme ça. Ça fait trop de fois que je te le dis, ça, encore. Est-ce que tu as bien compris, maintenant? Est-ce que tu as vraiment bien compris? Chaque fois, tu me dis oui, mais chaque fois, ça recommence. Tous les deux ou trois jours, je suis obligé de me prendre la tête avec toi. On perd du temps et de l'énergie. Or, tu dis oui, tout simplement, que ça te plaise ou non. T'appuies pas comme ça. T'es malade, t'es fatigué. Bon, est-ce que tu as vraiment bien compris maintenant? Parce que ça me gonfle vraiment de perdre de l'énergie. J'ai pas fini. Le frigo ouvert là, ferme-le, s'il te plaît, reviens. Allez, Loni, c'est bien. Mais il faut passer la quatrième là. Deux salades catalanes, s'il te plaît. Il y en a deux, c'est bon aussi ça. Avec le soutien de la mission locale, Loni obtient un contrat de commis de cuisine. Payé au SMIC, il a la garantie d'un CDI à l'issue d'une période d'essai d'un mois. Ah, ça passe tout couvert, il faudra une entrée du jour. Non, on a assaisonné. Allez, Loni, là, c'est trop long. Là. Allô ? Il manque les noix, là. Et les tomates. Les noix et les tomates, allez. Il pique cela, hein. La dernière. Allez, bon bah j'en prends. Bon bah bien sûr. Merci. T'as vu ou quoi, je travaille. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre, hein. Calme, je passe bien ici. Il gueule. Sinon toi tu deviens quoi? T'avais prévu, je dis, il va gueuler. Ouais, mais que ça merde. Mais la vie meilleure, je préfère être ici qu'en train de zoner à la gare. Ouais, présente-moi une de tes copines. Je suis sûr, ils sont mignonnes. Ok, c'est pas ça le numéro. Ah, mais. Morgane. Oh, elle est fraîche, hein. C'est si bien. Elle a été ex-mannequin. Franchement, elle est bonne. J'ai couché avec et tout, je te dis. Non. Je sais de quoi je parle. Et Judy Stella, genre, t'es mec. Vas-y. Comment t'écris Stella là? ST. Avec deux S. C'est celle-là avec la moitié. Non mais c'est pas ça que je veux croquer. Mesdames. Elle est derrière. Petit abricot. J'y vais. Merci, t'as un amour. Là. Encore un abricot, c'est non, ça? Mais j'en ai pas eu en fait. Être feignant, c'est tout. Si t'es feignant, on travaille à la poste là ou. Allez, 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 au charbon là, au charbon. Vous faites quoi de vos journées? Oui, tu laisses pas distraire. Ah non, mais je fais mon taf, vous inquiétez pas. Allez là, travaille. Bande de bâtards. Inch'Allah que tu te tordes la cheville en sortant. Après. Allez, Louis, là. Une compétition donc qui sera prétexte à commencer donc une détection afin de constituer les débuts d'une sélection nationale qui ira représenter la France donc à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde des sans-abri qui sera organisée en octobre prochain au Chili. J'ai pas grand chose à vous dire, la seule chose que je vous demande c'est
pas de brutalité, on ne s'accroche pas entre nous, on ne s'engueule pas, on montre l'exemple parce que les présélectionneurs vont venir vous juger sur votre attitude entre vous, sur votre capacité à jouer en équipe et sur vos qualités personnelles dans l'instinct, dans l'intuition du joueur, etc. Vous serez jugé sur un ensemble. Dès le premier match, l'ambiance est tendue. La fatigue liée aux conditions de vie des joueurs a pris le dessus. Pas facile de gagner un match le lendemain d'une journée de travail et d'une nuit passée dans la rue. Je peux pas jouer avec ces chaussures-là. Je peux pas jouer. Les ballons, je glisse. Dès que je veux faire un appui, je glisse. Je veux faire une frappe, je glisse. T'as pas vu toutes les frappes, je les loupe. On l'a dit en plus, prends les chaussures. Une mamie, ça me casse les couilles. Le ghetto, ghetto. Une mamie, ça me prend la tête, il gueule, mais il prend pas les affaires qu'il faut, ce pédé là. La vue, ça me casse les couilles. Hier soir, vous êtes rentré très tard chez vous. Alors, vous êtes énervé parce que vous êtes fatigué. Et puis, vous avez joué très mal. On a perdu 2-0, on a perdu 2-0, point de barre. Bon, maintenant, honnêtement, hein, la journée, là, pour moi, c'est fini. Hein. Si l'éducateur choisit de déclarer forfait et de ramener son équipe à Perpignan, c'est sans compter la détermination de Loni. Le tournoi continue et il veut montrer ce qu'il sait faire. Il décide de rester et par proposer ses services à une autre équipe. Loni, viens voir deux minutes. Oh, les gars, vous êtes ici, bon, c'est bon, moi je suis avec eux, ça y est. Ouais, mais il rentre, comment il rentre? Je rentre à pied. Quand je veux laisser passer ça, je rentre à pied, je rentre train. Comme tu veux. Eh, il y a l'hébergement qui a la clé et tout, hein, donc c'est ton choix. Hein. Quel hébergement? Je suis à la rue. Et l'acharnement de Loni va payer. En quelques actions bien faites, il fait gagner son équipe et obtient son ticket pour la sélection nationale. Dernière étape avant la Coupe du Monde. Julien, tu peux venir m'aider vite fait? Là, c'est de charcuterie, on l'a pas encore montré. Mais j'en ai rien à faire. Ah ouais? Allez, allez, elle est parfaite là, cette charcuterie encore là. J'en ai jamais fait. Démerdez-vous, sortez-moi la vitre. Dans deux minutes, elle doit être sortie à deux. Démerdez-vous là. Laissez-vous de la sortir, cette putain d'assiette là, maintenant. Mais avec vos conneries là, ça là, honnêtement, on dirait du pâté, ça c'est sûr que c'est du pâté, mais on dirait qu'on l'a vomi. Voilà. Il faut des cornichons, il faut du beurre. Et du pain? Ouais, mais du pain, exactement. Non, mais le pain, il va t'émerder. Mets-moi du beurre là, s'il te plaît. Pas cette merde là, prends une plaquette de beurre. Ça c'est pas normal, là. Imagine-moi tout ça. Oh, bordel. Eh, ça déconne là. Ouh. Là, vous travaillez comme des gougnafiers. Putain! C'est bon, chef, le beurre, là? 10 minutes pour sortir une assiette de charcuterie. On n'est pas un peu malade? Mange-moi toute cette merde! Qu'est-ce que tu fais, là? Je mets ça de côté au cas où il y en a une qui arrive. Qu'est-ce que je t'ai dit là? De ranger, mais je vais au fur et à mesure. Ça, c'est plus le moment. Après, on va dire que j'ai rien préparé. Eh bien, justement, tu l'as pas fait ça ce matin. Le plan de ça, c'est le matin, c'est pas pendant le service. Je t'ai dit, range-moi cette merde. Tu ranges cette merde, tu fais pas autre chose. Je t'ai dit un truc, c'est pas autre chose. C'est bon. Il va falloir qu'il se calme, parce qu'il va se prendre un coup de poil en pleine bouche, la vie de ma mère, tu vois. Pourquoi? C'est bon. Allez, je te fous la misère, fils de pute.
Ma mère, je vais l'enculer, la tête de ma mère. Ça, je t'avais demandé de le mettre au frais depuis un moment. Tu me casses les couilles, Julien. Vous n'écoutez rien tous les deux. Vous me cassez les couilles tous les deux. Tous les deux, vous me cassez les couilles. Écoutez les putains de consignes. J'ai dit de le mettre au frais. J'ai dit laisse tomber les brochettes pour ce soir. Mais là, c'est au chaud, là. Ça n'est connu, hein. Ça n'est connu, hein. On vous donne une consigne, on vous donne un ordre. C'est oui ou non, j'ai pas compris. Et je vais entendre. Je n'entends rien. Vous avez compris, les gars? Oui. Pardon? Oui. Non, maintenant, je vais entendre oui, chef, et oui, chef. On est d'accord? Loni. Oui, chef. Oui. Oui, chef. T'as du mal? T'as du mal? Ouais, je peux pas dire. T'as du mal? Parce que je sais pas, y'a pas. Mais tu travailles dans une cuisine, je suis quoi, moi, pour toi? Bah. Tu es quoi pour toi? Je suis le chef, ouais, si vous voulez. Chef de cuisine, donc oui, chef. On est d'accord, les gars? Oui, chef. Non, mais oui, chef! Oui, chef! Oh! Loni, écoute-moi. Écoute-moi, garçon. Il faut que tu t'accroches, mon pauvre. Toi, t'as besoin de t'accrocher. Alors, toi, tu acceptes. Si t'acceptes pas, tu me le dis de suite. C'est pas compliqué. Jamais appelé personne chef, et j'aurais jamais de chef au-dessus de... Ah bon, chef. Dans la vie, c'est comme ça. Toi, toujours, un supérieur hiérarchique. Ton supérieur hiérarchique, c'est un chef, entre guillemets. En cuisine, il y a un chef de cuisine. C'est comme ça. Donc, est-ce que c'est bien compris? Oui, chef. Voilà, merci. Allez, faites ce que je vous ai demandé de faire maintenant. J'ai arrêté de travailler. Ah. Depuis hier. C'est quoi que je fais pas? Bah là, c'était le chef. Ouais. C'était ce soir, ça, je rentrais dedans, donc... C'est votre choix. Mais il parle mal, donc... Moi, je veux pas travailler avec lui, c'est tout. Mais Louis, moi, des jeunes qui bossent avec des connards au quotidien, j'en ai plein, quoi. Et qui le prennent sur le... Vous partez, vous quittez tout, c'est-à-dire que là, vous vous retrouvez, vous avez même quitté l'hôtel social, vous n'avez plus rien, quoi, retour à la case départ. Je peux plus rien faire pour vous, quoi. Là, sincèrement, là aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Si vous ne bougez pas, moi, je peux plus rien faire pour vous, quoi. C'est même plus la peine de venir me voir, quoi. Il faut qu'il se passe un truc, quoi. Aujourd'hui, vous êtes à peu près 20 joueurs. Sur les 20 joueurs, il y a 8 qui seront sélectionnés parce que c'est du 4 contre 4 à la Coupe du Monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez partir là-bas, vous allez représenter l'équipe de France. Vous n'allez pas représenter une équipe n'importe laquelle, c'est l'équipe de France. Vivez le truc à fond aujourd'hui parce que ce qui va vous arriver plus tard, c'est magnifique. Va seul, Abdel, vas-y, va marquer! Bien joué! Sol. Bien joué, gardien. Très bien, gardien. Très bien. Le gardien de Marseille, il est pas mal aussi. Voilà. Change. Avance, du ballon. Voilà. Ouais. Bien joué! Bien joué, ça! Allez boire un coup. C'est pas facile de porter une image où on dit voilà, t'es un sans-abri. On va participer à un événement international qui s'appelle la Homeless. Homeless en anglais c'est sans-abri. Donc
C'est-à-dire qu'il faut, accepter d'assumer ça. Ta situation. Ça fait 10 ans que je suis à la rue. Je l'assume très très bien. Tu l'assumes, ouais, d'accord. C'est vrai que c'est pas facile à porter. C'est pierrosant quelque part. C'est pas parce que t'es à la rue que t'es forcément, comme les gens disent, un clochard ou je sais pas quoi. C'est, tu peux très bien être à la rue et vouloir t'en sortir et rien lâcher, quoi. Prendre soin de toi, prendre. Ben voilà quoi, rien lâcher. Est-ce que tu te sens toi prêt à représenter l'équipe de France dès sans abri? Bien sûr. Bien sûr. Si tu es sélectionné. Bien sûr, bah oui. C'est même un rêve. Déjà rien que jouer au foot là dans tout ça là, c'est déjà une partie d'un rêve qui se réalise déjà. Ouais. Allez messieurs, deux derniers matchs. Va. Allez. Oui. C'est bien. Très bien. Tu joues trop perso, Yannick, ça va te faire des mauvais tours, ça va te jouer des mauvais tours ça. Jouez. Bien, très bien. Très bien. Bon les gars, merci beaucoup pour cette journée. J'ai vu ce que je voulais voir. Bien entendu, je ne vous donnerai pas maintenant les 8 joueurs convoqués pour la sélection. Donc pour les personnes qui seront sélectionnées, sachez que c'est une chance extraordinaire que vous avez. Il y a plein de pays, des pays extraordinaires. Et vous allez pouvoir échanger beaucoup. Voilà, on oublie les soucis qu'on a ici en France. Et je vous dis franchement, quand je vous dis qu'on oublie, on oublie vraiment. On est dans un autre monde et ça nous fait du bien. D'accord, je suis parti un homme, je suis revenu un homme plus fort. J'écris ce que je vis, j'explique ce que je vois. Peur, souffert, je vis ce que je dis, je crois ce que je vois. J'assassine la prod à l'encre noire. Dit ta chasse, mon cadin est mort ce soir. Et caraba, c'était aurait du clam, c'est sous une plage de sable. Pour Johnny, une nouvelle vie semble au rendez-vous. Commis de cuisine depuis un mois, il quitte enfin l'hôtel social pour s'installer en colocation. Ouais. Ça y est, on est là. Calme. Regarde, j'ai envoyé quoi? C'est Bigoud, on est chez nous, sa mère la pute, en grosse majuscule. Ça y est, on est là. Forcé, je rentre où? Ici. Aïe. Allô? J'ai été sélectionné? Oh là là, merci. Merci. D'accord, ça marche, ouais. Merci, et encore. Je prends pour le Chili, j'ai été accepté, Samir. Pour l'équipe de France. Aïe, aïe, aïe. On représente la gare. Moi, je suis très content pour toi, frérot. Là, moi, je suis dit, il va te péter. Petit pong, des grosses frappes, ça va passer. Genre, c'est vraiment le temps qui passe. Ça fait plaisir. On est là à la gare à Perpignan. Si se représente le frérot, il est là, la famille et tout.
Quelques semaines après avoir emménagé, Johnny a perdu son emploi et les relations avec son colocataire se sont dégradées. Manque des siens, coup de cafard. Après 10 mois passés à Perpignan, il rentre chez lui dans les Vosges comme il est venu, sur un coup de tête. Quant à Lonnie, il ne partira pas au Chili. 15 jours avant son départ, il est arrêté et jugé en comparution immédiate pour ne pas avoir pointé au commissariat alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Il est incarcéré pour 1 an à la prison de Perpignan.